pense qu'on est fiers de, on est fiers d'être là, on est fiers d'être partenaire du club parce que c'est un club familial, c'est un club ça. Et je pense que c'est dans l'esprit de Pierre et Vacances, investissement, conseil immobilier. Et j'espère que le partenariat va durer le plus longtemps possible. Moi, je vous souhaite la bienvenue, bien sûr. Merci, merci. À tous les trois, et puis à votre groupe. Et ça fait grand plaisir à la famille Estac de vous accueillir et que vous puissiez nous accompagner dès ce soir et pour tout le restant de la saison et voir d'autres par la suite pour que nous grandissions ensemble et que nous fassions de bonnes choses ensemble et que nous progressions surtout dans tous nos domaines respectifs. Et de le faire ensemble, c'est toujours plus agréable que de le faire chacun de son côté. Le groupe Pierre et Vacances, qui est né il y a 50 ans, est né à l'initiative d'un homme qui s'appelle Gérard Brémond et qui a créé à l'époque la première station de ski sans voiture pour développer un groupe qui aujourd'hui représente les marques Pierre et Vacances, Center Parks et plus récemment une joint venture avec Disney, le site de Village Nature sur lequel nous étions encore tout à l'heure, qui est aux portes des parcs Disney. Et donc c'est un groupe très familial, même si on fait 12 000 personnes, c'est un groupe qui a un esprit de famille très très fort. Gérard Brémond est le président, il dirige son entreprise avec une vision stratégique très forte depuis ce demi-siècle. Alors, on est très content d'être là parce que déjà, faut aussi notre relation est née d'une histoire d'homme. Désiré est à la source de ce partenariat, de cette naissance de relation. Je crois que le contact, le feeling est très très bien passé et on n'a pas mis beaucoup de temps avant de se laisser convaincre de démarrer l'aventure. Qu'on aime bien, et ça encore une fois à titre personnel j'aime beaucoup parce que vous êtes dans une période quand on monte, dans une période de challenge, il y a de l'enjeu et nous notre métier c'est un challenge quotidien, c'est un enjeu quotidien, le matin quand on se lève c'est comme quand vous allez faire un match, il faut qu'on aille convaincre des clients, qu'on aille faire notre business et ça c'est quand même des points communs importants. Et puis on a des valeurs qui sont aussi importantes et communes. Notre métier, la structure que je représente, dans le groupe qui fait 12 000 personnes, c'est tout petit, c'est 120 personnes. Par contre, c'est une équipe, c'est une famille et c'est une structure qui a des valeurs. C'est-à-dire que les valeurs, c'est le collectif, c'est le respect de l'autre, c'est l'entrepreneuriat. Et on part d'un principe simple, c'est que tout seul, on ne vaut rien. On ne vaut quelque chose que quand on est en équipe. Et l'équipe, ce n'est pas que l'équipe de vente, parce que vous avez devant vous, président, des vendeurs, des gens qui sont dans le réseau commercial, c'est toute l'équipe qui a derrière, tout le staff qui fait que tout fonctionne pour qu'on puisse faire une vente et réussir et atteindre nos objectifs. Donc vous voyez, il y a toutes ces valeurs, tous ces échanges-là qui, moi, m'ont beaucoup plu, et ce qui explique notre présence à vos côtés. Et on en est encore une fois ravis. Et de même, c'est réciproque.